Avant qu'il manque d'électricité dans ma gorge. On va faire tirer. Julie, je pense, t'avais quoi à... T'avais-tu quoi à ajouter? Non, je t'ai présenté. Je vais te présenter. La seule chose que je veux dire, c'est merci beaucoup à toi et à Mélanie qui se cache en arrière, là. C'est ta gêne. Et à Mélanie. Je veux juste vous dire personnellement merci, encore une fois, Stéphanie, d'avoir fait confiance. C'est toujours un plaisir d'être avec des gens comme vous. Vous êtes... C'est difficile de mettre un mot parce que vous êtes tellement plein de choses en même temps. Vous êtes des gens top, je vous aime vraiment beaucoup. Alors, merci Julie. Puis, nous autres, moi puis Mélanie, on se trouve toujours surtout moi, vraiment. Je reçois toujours les félicitations, les poignées de main. Oui. Mais en arrière de tout ça, vous avez vu, Mélanie, elle arrive toujours en arrière. Puis c'est pareil dans la vraie vie. Elle est toujours en arrière. Elle n'aime pas être en avant. Mais ça devrait être le contraire. Hein? Elle devrait toujours être en avant, puis moi en arrière. Mais c'est ça, s'il y a une réussite en fin de semaine, c'était encore la plus grosse réussite depuis les 9 ans que le festival existe. Et on veut juste vous dire que, c'est ça, on veut juste vous dire que manquez pas la 10e édition en 2019. Parce que ceux qui vont manquer ça, ils vont manquer de quoi en sacrement. Je vous le dis. Ce que vous avez offert ici en qualité de public, on va vous le remettre au centre en qualité de festival l'an prochain. Puis il y a moi et Mélanie, mais il y a surtout une grosse équipe de personnes dévouées. On ne dira jamais, mais assez souvent, mais moi et Mélanie, on n'est que deux pions dans ce cercle de travailleurs-là acharnés. Mesdames et messieurs, là, avec vos tripes, puis vos mains, puis votre voix, là, les bénévoles du festival là, Western de Notre-Dame-de-Pierreville, j'aimerais qu'on soit de vous, puis un bel hommage, s'il vous plaît. Un gros merci personnel à vous tous, mes bénévoles adorés. Je vous aime. On remercie tous les commanditaires. Les commanditaires, ils sont tous majeurs pour nous autres. Il n'y en a pas un plus haut. Ils sont tous majeurs parce qu'ils embarquent dans ma tente. Ils embarquent 100 000 à l'heure avec nous autres. Puis c'est ça, ça fait partie de la réussite. Les commanditaires, merci beaucoup. La ville de Pierreville, on est sur un terrain qui appartient à une communauté. Puis sans eux, sans ce beau terrain-là qu'on a, sans le beau village, les citoyens, la ville de Pierreville, un gros merci aussi. C'est très important. Puis, vous pensez quoi de Sildan? Ouais! On les garde-tu à vie? Ouais! Vous autres, d'abord? On les garde-tu à vie, Sildan? Ouais! Vous autres, en avant? Fait que les boys en regarde, c'est le contrat est signé, c'est pas moi qui a la majorité.
Et Danny Denis, mesdames et messieurs. Sylvain Lamotte. S'il vous plaît. Il avait gagné, j'ai une puissance, il est parti, je crois, mais. Il est avec les autres. Hey, bravo les boys, merci beaucoup. Puis je vous garantis que c'est à la vie ici. Wow. Hey, la gang, on a notre petit bout national. Hein? Faites un bel job. Merci, au revoir. Tibot.ca, si vous voulez avoir les beaux souvenirs, allez voir ça. Notre amie Denise, à la contribution volontaire, c'est une machine. Une machine, Denise. On a eu un paquet de musiciens aussi. On n'oublie pas Polyphonie qui sont en arrière, après-midi, qui nous ont fait danser. On a eu Sidetrack avec nous autres, le duo de garçons pour la piste de danse. Ils sont venus faire le 5 à 7 aussi au Saint-Mel. On a eu Dak Whisky, Christian Lemieux au Saint-Mel. Le groupe Bulldozer avec un hommage à Offenbach hier au soir. C'était très bon. C'est un peu différent du country, mais tout le monde a écouté Offenbach ici. Puis je crois que la majorité aime cette musique-là. Ça fait partie de nos racines, même les country boys et les country girls. On a eu Fever avec deux autres qui viennent avec nous autres faire leurs apparitions chaque année. On remercie tous ces musiciens-là qui se donnent corps et âme. On remercie Michel Boubou de la chance. À la sonorisation, Boubou, mesdames et messieurs! C'est juste comme ça. Moi, j'en donnerai un petit peu plus pour ce gars-là. Merci. Wow! Merci Mélanie. Merci. Embarquez dans cette aventure-là. Merci tout le monde, j'espère que j'ai oublié personne. Y en a-tu qui aurait quelqu'un à me suggérer que j'oublierais? Je vous l'ai dit, si les autres, si l'équipe ne serait pas là, moi je ne serais pas là. Puis regarde, c'est humblement que je vous envoie ça. Parce que l'éclairagiste, Cécile! Cécile! La conjointe de Michel Boubou, la belle Cécile qui nous a fait un bel éclairage toute la fin de semaine. C'est fun, c'est spectaculaire. Cécile, je te l'ai dit, je t'adore. C'est le fun, ça met de la vie dans le spectacle. Puis, tu sais, c'est beau le musical, mais le visuel est le fun aussi. Hein? Vous appréciez le visuel? C'est Cécile en fin de semaine qui nous a fait une émission, mesdames et messieurs. Elle travaille de la sécurité lors du show à Caillou. Oh, sacrément! Oui, wow! Oui! Hey, ça wow. Sécurité. La sécurité, ça, là, numéro un, sécurité. C'est très, très important, merci, tu vois. Très important. Les gars, venez ici, en avant. Les vestes jaune orange. Oui! En haut. Parce que vous méritez d'être en haut. Laurent, mesdames et messieurs, à la sécurité, au Glass Franchise, c'est très important. Merci, Laurent. Merci, Bobby.